On nous demande d'identifier la valeur initiale, le pourcentage et la valeur finale dans ce problème. Alors le problème en question, c'est celui-là. De quel nombre 150 représente-t-il 25% Alors on va déjà examiner un petit peu le, le problème qui est, qui est ici. De quel nombre 150 représente-t-il 25% C'est-à-dire qu'on cherche un nombre tel que euh, si on en prend 25%, ça donnera 150. Donc je vais l'écrire d'une autre manière. Et on cherche quelque chose qui, qui va faire ça. 25%, on cherche un nombre tel que 25% fois ce nombre, je vais appeler nombre, ça doit être égal à 150. On cherche quelque chose donc tel que 25% fois ce nombre, ça soit égal à 150, c'est-à-dire que 25 centièmes de ce nombre, ça doit être égal à 150. Alors une fois qu'on l'a écrit comme ça, on peut répondre à. À ce on peut répondre à ce qui nous est demandé, hein, ce qui nous était demandé, c'est-à-dire qu'on va identifier. Alors, déjà, le pourcentage, le pourcentage, il est où ben, Il est assez facile à identifier, lui, puisqu'il y a le symbole pourcentage ici. Donc, ça, c'est 25%, c'est le pourcentage, lui. 25%, c'est le pourcentage. Voilà. Alors, ensuite, ce pourcentage, on le multiplie par un nombre. On le multiplie par un nombre, et ce nombre, c'est le, le nombre. C'est la valeur qu'on a au début avant de multiplier, donc c'est la valeur initiale. Valeur initiale. Voilà. Et puis finalement, ce produit-là, cette multiplication pourcentage fois valeur initiale, 25% fois ce nombre dans le cas ici, ça doit donner, ça donne une valeur finale euh, qui est 150 ici, donc la valeur finale. Donc le nombre, on a dit que c'était la valeur initiale. Et 150, c'est la valeur finale. Je n'ai pas pris la bonne couleur. Donc 150, c'est la valeur finale. Voilà. Alors bon, ça y est, on a répondu à la question qui nous était posée. On a identifié la valeur initiale ici, la valeur finale et le pourcentage. Donc on a répondu à la question. Bon, on peut quand même essayer de la résoudre. Hein de résoudre le problème lui-même, hein. donc de quel nombre 150 représente-t-il 25% Maintenant on peut quand même essayer de, de trouver le nombre ici, euh, ce qu'on a appelé nombre ici, c'est-à-dire la valeur initiale. Alors pour ça, je vais peut-être passer par l'écriture décimale. Alors, on va faire ça parce que 25%, on se rappelle, c'est 0,25. Donc finalement, on cherche un nombre tel que 0,25 fois nombre. Je n'ai pas pris la bonne couleur fois nombre, 0,25 fois nombre soit égal à 150. On peut déjà commencer à s'intéresser un petit peu à l'ordre de grandeur. Hein. Quel ordre de grandeur va être de quel ordre de, de grandeur va être ce nombre Est-ce qu'il va être plus grand ou plus petit que 150 par exemple Alors euh, si, ici on, prend, on a ce nombre, on en prend, 0, on le multiplie par 0,25, c'est-à-dire qu'on va prendre en fait 25 centièmes prend 25 centièmes de ce nombre et ça c'est 25 centièmes c'est un quart. donc finalement on prend un quart de ce nombre donc on divise par 4 ce nombre. Donc euh, si quand on divise par 4, ça donne 150, évidemment le nombre lui-même il doit être plus grand que 150. en fait il doit être exactement quatre fois plus grand que 150. Alors maintenant on va faire quelque chose. on sait que le nombre doit être quatre fois plus grand que que 150 bon, on va multiplier des deux côtés par quatre parce que euh, regardez ce qui se passe. Si je multiplie par quatre de ce côté-là, j'ai une quantité un hein, 0,25 fois nombre. Ça, ça c'est un nombre. On ne sait pas encore exactement ce que c'est, mais en tout cas, on peut le multiplier par quatre. Donc, je le multiplie par quatre. Du coup, je vais le multipli multiplier de l'autre côté par quatre aussi parce que sinon, j'aurais plus le signe égal. Ça sera plus les mêmes les mêmes euh, nombres. Euh, et du coup, voilà j'ai multiplié des deux côtés par 4 donc c'est bon j'ai rien changé j'ai toujours l'égalité et euh, maintenant regardez 4 fois 0,25 c'est 0, ,25, 0 virg... puisque 0,25 c'est un quart en fait 4 fois 0,25 ça fait 1 ça fait 4 divisé par 4, 4 fois un quart donc ça fait 1 donc on se retrouve avec ça Nombre, je, 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 je n'ai plus besoin de dire le multiplier puisque j'ai une fois nombre, donc c'est nombre, c'est le nombre lui-même qui est égal à 150 fois 4. 150 fois 4, ça fait 600. Donc finalement, on trouve la réponse au problème de quel nombre 150 représente-t-il 25 C'est le nombre en question, c'est 600. Et effectivement, si on prend 25 de 600, c'est-à-dire un quart de 600, eh bien, on va trouver 150.